tous dans cette nouvelle série que je vais intituler Autour d'un jeu, où je vais me lancer d'en faire quelques playthroughs de quelques jeux. Et là j'ai trouvé DLC Quest, qui a l'air d'être assez drôle en étant une satire de justement des jeux avec des DLC. Donc on peut regarder... Ah, acheter l'écran de pause, d'accord, donc je ne l'ai pas. Acheter tous les DLC... Tuer tous les humains et tous les moutons. Oui, donc il y a quelques achèvements assez marrants. Je vous propose de lancer tout de suite le jeu et de regarder ce que ça donne. Donc déjà on descend, c'est plutôt pas mal. Ah. Ah bah la princesse, moi. Je remarque que nos yeux sont quand même assez énormissimes. Le méchant. Le méchant. Le point d'interrogation autour de ma tête. Il téléporte la princesse autour de sa tête, fait un nuage de fumée et il part. Oui, c'est original. Ma motivation, oui. Alors, bienvenue dans DLC Quest. Il manque quelques petits trucs comme les animations, le son. Et je ne peux pas aller vers la gauche. C'est très pratique. Et il me dit d'aller acheter des DLC. Donc effectivement, je ne peux pas aller vers la gauche. Hein. Vous m'entendez sûrement sur mon clavier. Je ne peux pas... je ne peux aller que d'un côté. Il n'y a pas de son, il n'y a rien. Alors, talk. Alors, il a pris la princesse, oui. Ah, il a tué mon oncle, d'accord. Ok. Blablabla. Un DLC, donc j'ai 4 pièces. Je peux acheter le pack de mouvement de nouvelle génération qui me permet de sauter et d'aller... à gauche, et oui, et je peux... Ah oui, très pratique, donne-moi mes pièces. Alors, il est parti par là. Ah bon, il faut que je trouve une épée quelque part. Forcément. Ça c'est quoi? Une armure pour mon cheval. D'accord. Oui. 250 pièces pour l'armure de mon cheval, mais bien sûr, pour que ce soit moins dérangeant pour vous, je vais tout de suite acheter le son. Et donc maintenant, nous avons du son. Alors, le menu pause ou les animations? Le menu... Allez, le menu pause. Ah bah il me reste 5 pièces et les animations du coup. Ah. Ça venait en standard, effectivement. Bah moi, ils m'ont racketté pour les acheter. Je peux parler à mon cheval, mais ça ne fait rien. Donc on va sauter. Oui, j'ai besoin d'une épée. 10 000 fois. D'accord. Oui. Et... Ah. Un nouveau dé. Bon, j'imagine que ça va m'accélérer. Mon épée. 20 pièces. Bon bah, hein, il ne reste plus qu'à aller trouver 20 pièces. Parce que là... Alors... Ah bon. La petite pub du studio. Hop. Alors... Oui. Oui, bah je vais pas... Ah. De chip, bah peut-être. Hein. Là, je peux rien lui faire. Donc, il me semble qu'on a lu tout à l'heure un truc qui me parlait de tuer tous les moutons et tous les humains. Donc, ah, je suis tombé. Bah, on verra peut-être si on va le faire. Non, des choses étranges. Ouh, oula, bah, ça m'a fait peur, dis donc. Ah, oula. C'est un ami ou c'est pas un ami? Oula. D'accord. Bon. Bah c'est le bout du monde. Bah il y a un DLC pour ça aussi. Qui doit coûter encore à peu près 5 fortunes et demie. On avait dit que c'était 20 pièces, je crois, ce qu'il me fallait pour le moment. Bon, on va récolter 20 pièces et vous admirez mes skills de plateforme qui sont absolument négligeables.
Je suis très mauvais dès qu'il s'agit de se battre ou de faire de la plateforme ou quelque chose comme ça. Mais on va quand même essayer de récolter. Ah bah là j'ai 21 pièces. 31 pièces et j'ai vu quelque chose par là où je ne peux pas aller. Hein. Bon. Et bah c'est pas grave, on n'ira pas. On va aller à s'acheter. Le temps c'est de l'argent. Pour j'espère aller plus vite pour polir mon épée. Alors j'achète ça. Alors. Donc en fait ce DLC ne sert à rien d'après ce que je lis. Bon, on verra, hein. Si on a de l'argent on l'achètera. Si on n'a pas d'argent, ben, on l'achètera pas forcément. Hein. Ah bah tout de suite ça va beaucoup plus vite. Et voilà. Ah bah j'ai une toute petite épée. Et mon personnage qui fait des yeux absolument terrifiants quand il... Ah, oh c'est original, quand il utilise une petite épée. Ouais. Mais non, je ne veux pas te parler. Te planter ma petite épée dans le dos. Hop, 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 hop. Bon, apparemment, je ne peux pas le tuer. Hein. Alors, on va prendre les pièces quand même, parce que les pièces, c'est bien. Et je me suis trompé de bouton pour sauter. Maintenant, je ne sais plus ce qu'il y avait. Est-ce que j'étais voir de ce côté-là? Non. Si, parce qu'il n'y a plus de pièces. Ah, si, il y avait un petit buisson. Hop. Double saut. Bon, on va aller voir tout à l'heure. Déjà, on va tuer le mouton. Hop, voilà. Alors, ici, on tombe. Oh, oh, super. Est-ce que j'ai pris toutes les pièces? Oui, bon, on va tuer le petit mouton. Donc, quand il manque des choses dans le mur, c'est que c'est un passage secret. C'est bon à savoir. Ah là, il manque quelque chose dans le mur, donc c'est aussi un passage secret, encore une fois. Là, je récolte plein d'argent que je ne sais pas s'il va me servir à acheter le double saut. Hein, ça, c'est sûr que on va forcément avoir à l'acheter un moment ou un autre. Hein. Ressortir, voilà. Récupérer les quelques petites pièces ici. On tue le petit buisson, bonjour. Alors tu n'as rien à me dire pour le moment. Il va faire un... D'accord. Ah. D'accord. Il faut que je récolte des pièces encore et toujours. Hop. Petite épée dans le petit buisson. Petite épée dans le petit buisson encore une fois. Donne la pièce, voilà. Donc là, j'espère que j'ai assez pour m'acheter le double saut, sinon je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse. Double saut sans pièces, je ne les ai pas. Donc on va acheter celui-ci et on va espérer que ça soit utile pour aller plus loin par là-bas et me donner les 60, 80, 79 pièces, voilà, qu'il me manque. Oh. Ah, ça m'a encore fait peur, même si ce coup-ci, je m'y attendais. Alors, qu'est-ce que tu me dis, toi? Voilà. Voilà, je suis d'accord. D'accord, donc je lui ai donné un livre ou quelque chose, et il me laisse l'accès à... toutes ces pièces, et ici il me faut le double saut pour les atteindre, même si j'essaie de m'acharner, ça ne fonctionne pas. Voilà, hop, 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 plein d'argent. Et là on va essayer lamentablement, hop, bon, c'était toujours encore plein d'argent. Ah oui, bon bah c'était le seul moyen en fait, je pensais qu'on pouvait passer par en haut, mais non. Donc on va aller essayer d'aller voir le petit mouton. Peut-être en partant de cette plateforme-ci, non. En partant d'ici, non. En partant de là, non. Bon, je suis trop mauvais.
J'abandonne. Alors, qu'est-ce? Il y a un trésor, mais je ne peux pas y aller. Effectivement, je ne peux pas se... Ah, bon, on va prendre l'argent ici. Hop, on va sauter ici. Bon, il doit me manquer un DLC quelconque pour pouvoir aller à cet endroit-là, hein. Pour le moment, on va continuer à prendre l'argent ici. Argent, 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 argent. Quelqu'un, bonjour. Ah, c'est un non-player qui ne sert absolument à rien. Mais ici, il y a un trou dans le mur que l'on va suivre. Et j'espère qu'il ne va pas me mener. Ah, bah il me mène ici. Et ah, donc voilà, on pouvait bien aller récupérer l'argent ici. Donc avec 117 pièces, je peux m'acheter le pack du double saut qui était, il me semble, à 100 pièces. Maintenant, il ne me reste plus qu'à réussir à ressortir et aller chercher mon double saut qui va me permettre de continuer l'aventure. Je propose qu'on retourne tout de suite de l'autre côté là-bas pour voir. Allez, petit personnage. Bonjour, je voudrais le double saut. Merci. Ah, je suis un grand dépensier. Oh, joli double saut. Donc, tout de suite, on va essayer d'aller, non pas du tout ici. C'était complètement là-bas. Ah, déjà, on va essayer d'aller chercher le cadeau que je n'arrivais pas à aller chercher tout à l'heure. Voilà. Alors maintenant, j'ai un mini pet DLC, c'est très bien, qui doit coûter à peu près 18 fortunes et 3 bras, et je n'arrive pas à sauter ici. Pourtant, tout à l'heure, j'ai réussi. Alors, allez chercher. Voilà, ça y est. Et donc maintenant, avec mon double saut, je devrais pouvoir atteindre, voilà, ici, et tuer le petit mouton. Hop, 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 hop. Et voilà. Et donc là, je pense que nous avons pris absolument toutes les petites pièces. Donc, on va aller voir par ici. Et j'espère qu'il y a encore beaucoup d'autres pièces. Un petit PNJ. Alors, mon nom, c'est pas Héros. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui a volé les enfants et qui a perdu ses enchantements, qui ne peut pas trouver sa cache-à-pêche. Alors, il faut que je trouve les enfants, les enchantements, les livres d'enchantement, non, les livres enchantés, excusez-moi, et que je trouve sa canne à pêche. Et je ne veux pas, parce que je suis un héros comme ça. Et hop, voilà, je récupère ça, je vais tuer le petit mouton. Hop, hop, et je suis tombé lamentablement. Ah, ici, je peux monter. Alors, par contre, je n'ai aucune idée de où il faut que j'aille ici. Donc, si ça se trouve, ce n'est qu'une sortie pour plus tard. Mais je vais essayer de me rappeler qu'il y avait un trou ici. Hein? J'ai bien dit essayer parce que c'est pas gagné du tout que je me souvienne qu'il y avait quelque chose à cet endroit-ci. Alors, un nouveau PLC. Ah, un top hat. Il me faut ce top hat. Hein. Ce sera pour ressembler à Total Biscuit. Hop, voilà. Voici. Alors ici, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Je vais réessayer. Non, je ne vais pas réessayer de remonter dans le trou là-bas. Donc voilà, donc je pense qu'ici, tout a été fait. Maintenant, ma question, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas par ici une plateforme qui soit accessible à moins que ce soit le même endroit que tout à l'heure? Non, c'est l'endroit de tout à l'heure où j'étais précédemment. Donc ce côté est terminé. Donc je vais regarder les deux, trois nouveaux DLC que j'ai débloqués. Donc, alors, ah bah, ça, il me le faut, c'est obligé, et celui-ci aussi. Voilà. Oh, tout de suite, mon personnage ne ressemble
plus à grand chose en fait, mais c'est pas grave. Hop, encore des pièces. Donc on avait dit que c'était 150 le petit pack de cartes qu'il me fallait. Je ne sais pas pourquoi je casse tous les arbres, mais je le fais quand même. Donc c'est 150 pour avoir la carte qui va me permettre d'aller plus loin à travers la forêt mystérieuse. Même si je ne suis pas certain du tout que ça... Oula, là je tombe. Si je ne suis pas certain du tout qu'elle s'appelle la forêt mystérieuse ni rien de tout cela. Mais ce n'est pas grave. On va l'appeler la forêt mystérieuse parce que ça fait toujours très bien d'aller dans une forêt mystérieuse, dans une aventure. Alors là, voilà, ça c'était pas possible. Hop, donne-moi la petite pièce, voilà, merci. Hop, hop. Ah bah il y a un mouton ici. Donc je crois que je vais abandonner d'essayer de tuer tous les moutons, même si c'est drôle. Ça va prendre beaucoup de temps d'essayer de tous les trouver et d'arriver à tous tomber dessus. Ah, on peut envoyer un feedback, hein. Vous pouvez envoyer un feedback sur le jeu. Vous pouvez aussi m'envoyer un feedback sur ma façon de jouer à travers les commentaires de YouTube. Et donc je vais essayer... Ah zut! Ah, raté. Je vais essayer de... Bah déjà remonter ici. Et je vais essayer d'aller récupérer les pièces qu'il y a autour du mouton que nous voyons ici. Donc très certainement pas comme ça déjà. En tombant moins ce sera sûrement beaucoup plus facile. Donc... En partant de cette plateforme-ci, mais pas du tout comme ça, donc je vais lamentablement laisser ces pièces ici en espérant beaucoup que je n'en ai pas extrêmement besoin pour me payer ma carte. Alors, est-ce que je vais réussir à sauter sur la petite plateforme où il y a beaucoup de pièces ? Apparemment non, mais maintenant... Ah si, c'est ici qu'on remonte. Bon, on va aller voir déjà sur le bord si c'est possible de le faire sans récupérer ces pièces. Au final, il ne m'en manque pas tant que ça pour arriver aux 150 nécessaires. Si j'arrive à les récupérer, voilà. 118, 121, 124... Plus que 26. Oh, un DLC qu'on peut atteindre sûrement d'un autre endroit. 133 pièces. Ah bah ici sûrement je peux rentrer ici, descendre par ici et récupérer ça. Et avec un peu de chance... Non, pas du tout. Il faut que je retombe. Donc on va remonter ici. Voilà, ici. On va aller voir ici... Est-ce qu'on tue le mouton? Non, allez, on le laisse vivre. 144 pièces. Donc il ne manque plus que quelques-unes pour réussir à avoir ma carte. Il me semble que j'en avais vu quelques-unes. Et malheureusement... Non, je vais être obligé d'essayer d'aller récupérer les pièces que je n'arrivais pas à récupérer, notamment sur le mouton. Alors, ah bah dis donc, si j'arrive même pas à monter ici, ça va être plus dur. Voilà. Donc non, ce n'est pas comme ça qu'on y va. Non, ici ça va être beaucoup trop loin. Presque alors. On va retenter ici. Est-ce que c'est possible que si j'arrive à rester sur ma plateforme sans tomber tout le temps, je récupère ces petites pièces, donc en sautant ici, en sautant là, et voilà. Et pour la peine, on va laisser ce mouton vivant. Et avec 151 pièces, je peux m'acheter la carte. Oui, je veux de nouveaux DLC. Et la carte était à 140 et non pas 150. Ça m'apprendra à lire. Et est-ce que je ressemble à ça? Oui, je ressemble à ça. Ah non, bah il ne les a pas mises. C'est peut-être l'occasion de tester mon menu pause.
Dans mes achèvements, non, j'ai ceci, j'ai ceci, j'ai ceci. Bon. Non, bah j'ai acheté un DLC qui apparemment ne sert à rien. Donc encore une fois, c'est un jeu qui est satirique sur les DLC. Hein. Ah, effectivement, c'est une utilisation. C'est possible, oui, pourquoi pas. Donc maintenant que j'ai ma carte. D'accord, donc tous les PNJ qui ont récupéré les sexy outfits. D'accord. Eh bien, on va casser des petits arbustes. Donc il n'y a rien en haut ici, non. Alors, on va commencer par descendre dans la grotte. Ah, j'ai vu. Non, ça doit être une sortie. Ici, c'est quand. Ouh, eh bien, dis donc. J'aime bien l'argent. Je n'ai aucune idée de ce bien que je vais pouvoir. Ce n'est pas du tout français. De ce que je vais bien pouvoir trouver comme DLC pour continuer à avancer dans le jeu. Hein. Alors, apparemment, c'est là où se cache le bad guy. Il faut que je fasse attention aux trolls. Et bien, je vais remonter ici. Ah. The Zombie Pack. Eh bien pourquoi pas? Hein, si j'ai assez d'argent. Ah, catch them all. Donc apparemment j'ai récupéré tous les petits bouts de DLC, peut-être, éventuellement. Je ne sais pas du. Ouh! Oh! Ah bah voilà, bon bah j'ai trouvé cette sortie. Merci pour l'argent, hein. C'est toujours très sympathique. Moi j'aime bien ça. Hop, hop, hop. Voilà. De l'argent, et eh bien dis donc, soit le zombie pack coûte une fortune, soit ce jeu ne sait plus quoi faire avec l'argent. Alors là, je ne vois pas d'autre solution. Alors, ah, ici c'était donc une sortie de quelque chose. Je dois pouvoir éventuellement, peut-être par ici, déjà aller récolter cet argent. Hein. Hop. Ah, bah ça y est, je pense que je peux acheter l'armure de mon cheval. Hop, nous montons ici, on récupère l'argent ici. On monte ici, on récupère encore l'argent. C'est une pyramide d'argent. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas ce que je vais bien pouvoir faire avec toutes ces piécettes. Hop, on va tenter de récupérer la petite toute seule ici. Ne pas laisser une pièce d'or toute seule. C'est cruel. Voilà, voilà. Ah, on casse le petit arbre. On redescend avec beaucoup d'argent. Ouh. Eh bien, on va aller acheter le DLC. Hein. Je vous propose tout de suite d'acheter un DLC. Alors, on va acheter celui-ci, hein, parce que c'est toujours beaucoup plus drôle. Et on va acheter celui-là. Et il n'y a plus de DLC disponible. Et j'ai plein d'argent. Et des petits zombies. Sur la carte. Mais non, je ne veux pas te parler. D'accord. Pourquoi pas? C'est très original. Dans le coût du DLC inutile, c'est plutôt pas mauvais, puisqu'ils ne me font rien. Ils sont juste là pour décorer. Donc un zombie est un élément de décoration. Ça nous change agréablement de Minecraft. Et j'ai lamentablement raté mon saut. Hop. On tue le petit arbre. On rate lamentablement un saut. On remonte. On remonte. On retente le saut lamentablement raté. Hop. Voilà. J'ai failli lamentablement re-rater mon dératage de saut. Continue à prendre l'argent, hein. Je ne sais pas à quoi cela va bien pouvoir me servir, mais et j'en ai raté une petite piécette, comme je disais tout à l'heure, c'est cruel de laisser une petite piécette d'or là, donc je vais aller la rechercher et la re-rater, bien entendu, hein. Ayons confiance en moi, ah, je l'ai eu, c'est très bien, donc là je crois que j'ai pris tout ce qu'il y avait à prendre, oui. Ici, il y avait. Là, il y a une descente.
mais je ne sais pas où la prendre. Donc on va redescendre ici à travers les zombies et on va aller voir le troll. Attention au troll. Oula, ouh, c'est grand. Ah, donc voilà, je vais m'acheter le fusil qui va forcément être à 75 pièces d'or. Hein, soyons cohérents, j'imagine qu'il ne va pas être pas cher. Ah, 75, j'étais à 100 près. Hein, j'y étais presque. Donc, par contre, je n'ai pas regardé comment je faisais pour tirer avec mon fusil. J'espère que mon petit personnage, d'accord. Ce n'est pas ça, c'est 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 pas ça. Alors, est-ce qu'il me dit comment je fais? Et non, il ne me dit pas. Non, ah, les contrôles. Voir les contrôles, action, jump, move, d'accord. Ça ne m'aide pas beaucoup. Il faut que je retourne voir le vendeur de DLC en espérant qu'il soit capable de me dire comment utiliser mon DLC. Parce que bien sûr, oups, ce n'est pas du tout ça que je voulais faire. Alors, DLC... Oups. Alors... Ah, c'est long. D'accord, donc ça ne sert à... rien. Ah, visit the gunsmith. Donc, c'est l'homme en noir que j'ai vu tout à l'heure. D'accord, donc il me faut une carte de nuit, bien entendu. Voilà, donc j'achète la carte de nuit parce que la nuit c'est différent du jour. Bonjour. Voilà. Alors maintenant j'ai mon fusil. Oups! C'était pas du tout ça que je voulais faire. D'accord. Bon, bah c'est problématique. Je viens de tuer mon vendeur de DLC. J'espère que je change de zone et qu'un autre vendeur de DLC apparaît. Sinon, ça va être assez problématique de continuer à acheter des DLC pour DLC Quest. Ah, bon bah en fait non. Apparemment, nous avons fini DLC Quest. Et bien voilà, c'était un autour du jeu avec moi-même. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour un nouveau autour d'un jeu. Maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver quel jeu. Et nous le ferons ensemble dès la fin de ce générique, puisque je meuble en ce moment même pour essayer d'attendre la fin du générique, histoire de voir si par hasard il n'y aurait pas une suite du jeu, mais c'est assez long. On va bien voir, voilà, là ça se termine, écran noir et retour. Et non, donc on peut regarder mes achèvements que je n'ai pas tous, parce que je n'ai pas tué tout le monde, je n'ai pas acheté tous les DLC, pourtant il me semblait bien que je les avais tous DLC. Je n'ai pas toutes les pièces effectivement, et je n'ai pas fini le jeu comme il était censé être fini. Eh bien, je vous propose d'arrêter ici pour cet épisode. Et je vais continuer la prochaine fois en le finissant comme il est censé être fini. A bientôt pour le prochain épisode. Bye !